Bonjour à tous et bienvenue dans Gamercube pour cet épisode spécial qui va faire un petit débrief en fait sur l'E3 2015. Je suis avec Tom Berry hein, pour parler de ça. Hein. Salut tout le monde. Et donc on va déjà voir au niveau de la conférence Bethesda. Donc Bethesda, petite nouvelle de cette conférence hein, avec des grands tenants du titre, des conférences comme Microsoft, Sony, Nintendo, EA, Ubisoft, et donc on a eu Bethesda qui a lancé sa conférence en nous présentant Doom. Donc Doom que toi tu connaissais quand même, voilà, le Doom de base quoi. Le Doom, après j'y ai jamais spécialement joué au Doom d'origine, mais effectivement, Oui, le style de gameplay me parle, quoi, on va dire. bah ça a été voilà le un peu le précurseur Bah, le Doom-like, justement. voilà le Doom-like voilà même si on a eu aussi les Quake-like Ouais. et aussi les Unreal Tournament, dans le même registre. voilà oui Ça, c'est par contre, j'y ai joué, j'ai bien aimé, quoi. bah le petit FPS de base surtout c'est ça c'est moi ce que j'ai eu peur en fait sur Doom c'est-à-dire que quand ils ont présenté ça je me suis dit pour contenter les fans de Doom faut leur présenter un gameplay simple enfin ils attendent quelque chose de simpliste et d'efficace comme Doom, mais de l'autre côté, donc faut pas que ça sorte trop de l'ordinaire, mais de l'autre côté, bah si tu prends un truc trop simpliste, et bah ça devient vite chiant, surtout actuellement avec tout ce qu'on nous propose. Donc je me suis dit c'est assez compliqué pour contenter justement les fans. Bah, pour moi, l'essentiel, enfin, dans Doom, c'est quand même le rythme, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. c'est de la boucherie, c'est de l'hémoglobine et du rythme, quoi. Avec des armes en général qui sont plutôt des fusils à pompe ou des tronceaux, hein. Oui, voilà. Enfin, voilà, c'est pas le genre de jeu où on va mettre un silencieux sur son gun, quoi. Ouais, je ne sens pas qu'il y avait de tronçonneuse avant. Enfin, je me rappelle pas en Je sais tout pas. cas pour le 2 et le 3, mais en tout cas sur ce trailer-là, bah ça annonce de la grosse boucherie, quoi. Bah, surtout les phases de cac qui sont impressionnantes au niveau de l'action, enfin, écraser les têtes, arracher Arracher les la ennemis en mâchoire, deux, là, enfin, voilà, quoi, ça promet, franchement, voilà. Ouais, plein de ça a promesses, quoi. l'air de, ouais, ça a l'air d'être sympa. Il y a un petit, comment dire, un petit Gears of War-like, on dirait, sur certains points, mais ça a vraiment l'air d'être sympa, même si, ouais, bah, très violent, mais effectivement, bah, c'est ce qu'on demande, quoi. Ça se voulait d'avoir sa particularité, contrairement aux autres FPS. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de faire son trou, hein, quand tu fais un FPS. Parce que quand t'as pas de, comment dire, Bah, surtout qu'il y de en a, enfin, particularité. là, moi, je pense surtout à deux licences qui détiennent les plus grosses parts du marché. Je pense à Call of et à Battlefield, Voilà, principalement. sur du FPS Voilà, classique. le FPS classique, quoi. Après, t'as le FPS un petit peu plus original, on va dire, style Killzone. Mais là, on est beaucoup sur du Ouais, multijoueur, mais là. j'ai l'impression que Killzone s'est un petit peu effacé devant Destiny. Destiny, mine de rien, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il avait pris pas mal d'ampleur. Malgré, justement, on avait parlé un petit peu de la partie solo qui était plutôt pauvre, Bah, mais le online, ça a l'air plutôt d'être vivant. ouais, bah c'est encore particulier parce que c'est du MMO FPS et c'est Ouais. vrai que là c'est du pour enlever du PV et tout ça, donc c'est aussi assez particulier comme type de gameplay, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait encore comparable à du Killzone ou autre. Par contre, bah Doom, ce qu'il propose, alors je le disais justement sur le Twitter de Gamercube, si le maître mot en fait de l'E3 2014 c'était Open World. Cette année, c'est surtout création. C'est-à-dire que vraiment, Doom, bah, il nous propose de créer nos propres maps avec ces Doom Snap Maps en fait. Il nous propose de créer nos propres maps, de créer nos trucs et tout ça. Enfin, tu peux un peu tout faire. Et c'est là où justement il y a assez d'originalité par rapport à ça, je veux dire. D'ailleurs, bah, pareil sur Fallout. Pour enchaîner donc sur le deuxième jeu qui a été présenté, le deuxième gros jeu, je veux dire, qui a été présenté par Bethesda, bah t'as Fallout et Fallout 4 Alors et ça, moi perso, c'est vraiment une licence qui m'est totalement inconnue. Le nom me parle, mais après, j'ai jamais touché au jeu. Et j'ai l'impression que moi, que ça touche plutôt un public bien ciblé, enfin, je veux dire, assez puriste, quoi. Bah ouais, c'est l'impression que J'ai ça me donne l'impression. aussi, parce que c'est vrai que je j'ai pas fait non plus tellement de Fallout. J'ai regardé un petit peu les images de Fallout 3, et il y a quand même beaucoup de ressemblances avec Fallout 4, ça se ressemble énormément. Enfin, pas sur quelque chose de nouveau, comme par exemple, même si c'est pas tout à fait comparable, mais Final Fantasy, où justement, il y a on va dire un thème global, mais derrière ça, on reprend un RPG qui est différent à chaque fois. Et là, pour un truc qui est soi-disant post-apocalyptique des années 30, en fait, suite à bah, l'époque où les gens faisaient des abris anti-atomiques, et justement, bah, ça reprend un petit peu ce concept-là.
Et bah, les premiers, autant qu'ils étaient particuliers, après c'est vrai que quand ça s'est lancé vraiment dans le FPS, un petit peu, un mélange, je sais pas, ça a l'air mélange stratégie, FPS et tout ça, c'est vrai que c'est, comme tu disais, bah, je pense que ça s'adresse, ça cible une catégorie de personnes vraiment particulière. Et c'est vrai que quand t'as pas commencé la licence, quand t'as pas commencé ouais, la quand série, t'as pas la fibre de cette licence, ouais, je pense que. Bah, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même beaucoup d'attentes. J'ai remarqué, ça m'a étonné justement parce que j'ai pas eu l'impression que Fallout New Vegas il a fait Bah, tant de bruit que ça justement. j'en ai entendu parler, mais après, sans plus. Donc bon, à voir. Mais on disait que par rapport, tu me faisais part du côté graphisme où ça te paraissait un petit peu pauvre sur le trailer Bah, quand même. par exemple, enfin moi, je suis resté vraiment. Focalisé sur le chien, sincèrement. Enfin, je veux dire, l'animation du chien, ses déplacements, j'avoue que ça m'a rappelé concrètement de la PS3, quoi, et rien. Ouais. Et pas plus, franchement, quoi. Les décors, je dis pas, ça a l'air assez Ou varié, Black assez Ops 2, sympa. quoi. Ouais, Avec les voilà, c'est chiens. ça, quoi. Et ouais, non, après, à voir, hein. Mais ouais, à voir, hein. À voir si le concept du jeu est sympa, mais c'est vrai que c'est ce qui me choque dans un jeu comme ça, finalement, c'est que ce soit plus ou moins FPS, quoi. Et moi j'imaginais beaucoup plus du jeu libre en fait à la Shenmue ou quelque chose comme ça, un jeu vraiment où tu fais tout ce que t'as envie, ou si t'as envie d'allumer la télé, si t'as envie de faire ci, de faire ça dans le jeu, voilà, beaucoup d'actions possibles. Alors je sais pas, c'est l'impression que ça me donne qu'il y a quand même un panel d'actions possibles, intéressantes, et derrière ça, qu'on puisse quand même, enfin qu'il y ait un petit côté FPS quoi. Mais je sais pas, ouais. C'est pareil, j'ai un avis assez partagé sur ce jeu-là. Donc ils ont sorti en fait ils ont montré pour la conférence une collector où il y aurait le brassard donc du héros du jeu qui bon un truc en plastique hein et Ouais, ça a l'air quand même sacrément accessoire, quoi. bah ça a l'air accessoire parce qu'en fait tu installes ton iPhone à l'intérieur. Alors ça marche peut-être sous Android, je suis pas sûr, mais je sais que ça fonctionne en tout cas sur iOS. Tu l'installes à l'intérieur de ton truc plastique style brassard, et puis t'as une application qui permet de simuler un petit peu bah, le brassard dans le jeu. Le truc qui paraît vraiment intéressant, finalement, c'est simplement l'installation du téléphone à l'intérieur. C'est vrai que en soi, seul, l'équipement, bah, c'est un bout de plastique que tu vas pas garder au bras toute la journée, quoi. Donc c'est... Puis tu peux même pas téléphoner si t'as ton téléphone dedans, quoi. C'est pas pratique. Puis ils ont repris deux petits jeux en fait, je crois Missile Command qu'ils ont appelé Atomic Command, et puis le jeu Donkey Kong avec les tonneaux Mario, qu'ils ont repris aussi, je sais plus le nom qu'ils lui ont donné, mais ils ont fait quelques reprises, alors bon, petit clin d'œil, voilà, sympathique. Mais ça reste assez accessoire, je sais pas le prix auquel ils proposeront bah, la version collector, mais je suis pas sûr que ce soit une super affaire non plus. Donc après t'as pu voir bah, Fallout Shelter là, ouais, l'appli téléphone, voilà, hein. iOS qui reprend un petit peu les bases de Fallout, il me semble, hein, c'est ça, avec le personnage éponyme. Bah justement, j'étais en train de me dire pourquoi pas justement peut-être accrocher en premier lieu sur la version mobile et ensuite se lancer sur la licence sur la console, je sais pas, peut-être que c'est la démarche qu'ils cherchent, je sais pas. Oui, peut-être, oui, voilà, mais ça a été ça aussi, c'est-à-dire que quand je parlais de maître mot de création pour cette E3, il y a aussi le côté iOS, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des vrais jeux, c'est pas simplement des portages vite fait de certains jeux comme on faisait à une certaine période. Et donc, ouais, bah ensuite, on a eu, bon, ils ont présenté un petit jeu, la Battle Cry, qui, ouais, c'est vite fait, quoi. Oui. C'est bon, ça annonce pas tant de promesses que ça, quoi. Je veux dire, enfin, ça fait pas rêver non plus, mais... Non, enfin, après, je pense que ça peut être sympa à jouer, mais tout dépendra du gameplay, quoi. Ouais. Après... Bah, j'ai pas compris si c'était du gratuit ou pas, d'ailleurs, mais... Ça a l'air... Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, comme je l'ai perçu, ouais, on dirait plus un... Moi, je... Ouais, je joue gratuit... Premium ou gratuit, voilà. Ouais. Mais derrière ça, bah derrière ça justement le fameux Dishonored 2, donc ouais. Je pense que t'avais envie d'en parler de ça par contre. Bah moi j'ai entendu principalement parler du premier, dans un premier temps, et là le trailer je l'ai trouvé assez excellent, enfin au niveau des graphismes. Bah c'est comme je dis, il y a un peu un décalage en fait entre le graphisme des personnages purs et durs ouais. Et le graphisme des décors. Alors les décors sont magnifiques.
Sauf que les personnages, ben, on peut voir un point de vue artistique éventuellement, se dire bon bah ils font ça parce que c'est une patte artistique en fait, je pense. Mais le niveau de détail est quand même léger aussi, donc je vois ça aussi comme une facilité, à la fois un point de vue artistique et à la fois une facilité quand même. Mais moi, je trouve pas, enfin ça me choque pas personnellement, ça me saute pas aux yeux, enfin je vois bien qu'il y a une nuance, mais je le mets pas sur le compte de la facilité, tu vois. Moi c'est plus sur la patte de la licence quoi. Parce que moi, tu vois, c'est les personnages très longilignes comme ça, c'est assez particulier, mais c'est vrai que c'est un point de vue artistique comme un autre. Hein. Ça se défend, sauf qu'il n'y a pas d'autre chose pour comparer, en fait. Il n'y en a pas trop qui font ce type de démarche. Mmh. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est le niveau de détail. C'est-à-dire, moi je suis d'accord hein, pour adopter ce point de vue, mais le niveau de détail au niveau des personnages, quand on regarde leurs mains, quand on regarde même leur faciès, c'est vrai que pourrait y avoir un petit peu plus de détails tout en restant sur un concept qui est pas réaliste vraiment, mais je sais pas, ça avec tout le niveau de détail qu'il y a sur les décors, c'est vrai qu'un tout petit niveau de détail sur les textures en plus sur les personnages, je sais pas, ça m'aurait un petit peu plus plu, mais ça s'annonce bien déjà, je veux dire, parce que quand on regarde par rapport au 1 qui était un peu plus léger, on va dire, là c'était encore un petit peu plus léger, bah c'est vrai que bon c'était du PS3 en même temps. Mais bah le 2 en fait bon ça a l'air propre hein, quand même. Bah ça a l'air propre. Moi je dirais plus que propre hein, sincèrement. Ouais ouais. Enfin il y a des phases qui paraissent des phases de gameplay et ouais enfin ça a l'air assez rythmé. Non enfin moi je préfère voir ça en direct. Quoi. Ouais, bah oui, et puis voir au niveau de la longueur aussi surtout du jeu. Mm. Je sais pas combien de temps ça dure mais ouais de voir ça. Donc bon, ils ont conclu plus ou moins là-dessus hein, de toute manière. Donc voilà, bah on conclut justement ce petit débrief sur la conférence Bethesda. Et puis bah vous pouvez regarder nos autres vidéos donc sur les autres conférences. Hein. Ciao tout le monde!